تحية طيبة لكل تلاميذ اللي تحقوا بنا في المباشر في هذه الحصة الخاصة بمادة الرياضيات نعود نذكركم برقم الأرقام اللي هي موضوع لذمتكم حتى تنجموا تشاركوا وتحطوا كل تساؤلاتكم واستفساراتكم اللي تهم مادة الرياضيات أرقام اللي هيت في موضوع لذمتكم هي 71 280 089 71 800 114 وأكيد الفريق بدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية انطلاقا من الثالثة بعد الظهر بحذينا اساتذه حتى لكم كل الاستفسارات اللي تهم ماده الرياضيات في البدايه نبدا بالاستاذه نادره غاستلي خضار مرحبا بك كذلك الاستاذ مجدي بن بدر مرحبا بك الاستاذ محمد سكراني والاستاذ لحبيب العباسي سي. كذلك حاضرين بحذينا في استقبال مكالمتكم الهاتفية سيد المتفقد توفيق شرادة متفقد المادة مرحبا بك سي توفيق وكذلك الاستاذ شكري بن جديديه. شكرا. والاستاذ نبيل الخبيري. مرحبا بكم سيدة والكلمه اللي كنت سيد متفقد. بارك الله فيك، اولا ساعة نحب نرحب بابنائنا الاعزاء في هذه الحصه المخصصه لمات الرياضيات بالنسبه لكل الشعب هذه الحصه اللي تنظمها وزاره التربيه بالتعاون مع قناه 21 الفضائيه. والحصه هذه مخصصه للاجابه على الاسئله تاعت و... 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 ومساعدتهم على اجراء البكالوريا في ظروف طيبه. أه... كذلك ايها التلاميذ نتمنى لكم متابعه جيده وانتقل تقع الاستفاده من هذه الحصه في حضور سلم الاساتذه كلهم استعداد لتقبل مكالماتكم والاجابه عليها وابدا بالاستاذ شكري بنجليديه اللي اعطاكم بعض النصائح تفضل الشكر. بون، او نون دو مي كوليك بريزون هسي دون لو بلاتو اي على ريجي، جي لو بليزير دو سالويي تو نو كونديدات اللي سون تليفون 15 كازاغ. Euh, et à cette occasion, on vous souhaite bon travail et bonne réussite. Bon, euh, je commence par quelques conseils méthodologiques pour réussir l'épreuve de mathématiques. Lire le sujet en entier et choisir l'exercice qui vous paraît le plus abordable. Faire attention aux erreurs de calcul. Un résultat trouvé pour une question peut être exploité pour répondre aux questions suivantes. Ne pas oublier de donner de l'importance à la rédaction des solutions. Et à la présentation de la copie. Je passe la parole à mon collègue Si Nabi. Merci, Sichokri. À cette occasion, on rappelle qu'on reste à l'écoute pour répondre à vos interventions téléphoniques, puis à communiquer vos questions aux autres collègues sur le plateau afin d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner. La première question concerne le thème nombre complexe. Les réflexions des élèves ont porté sur les points suivants. La représentation de l'image d'un nombre complexe connaissant son écriture algébrique ou exponentielle, le calcul et la transformation d'une expression complexe, l'utilisation graphique du module et de l'argument d'un nombre complexe, le repérage d'un point dans le plan orienté et comment donner son affixe, ses coordonnées cartésiennes ou ses coordonnées polaires, la justification de la collinéarité ou de l'orthogonalité de deux vecteurs à partir de leur affixe. Nous remercions. nous Mohamed Merci. Chers candidats, nous avons préparé un support euh, dont, dont nous allons l'utiliser pour répondre à vos questions. Alors, ce support de nombre complexe, alors, je suis en train d'attendre l'énoncé de ce support. Alors, le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct OUV, soit E, le point d'affixe ZE, qui égale 1 plus I plus racine de 2 exponentielle I pi sur 3. La première question, placée. Les points A et b d'affixe respectives 1 plus i et racine de 2 exponentielle i pi sur 3. Alors pour placer par exemple le point A, nous allons utiliser la forme ou bien l'écriture complexe du nombre 1 plus i. comme la partie réelle et la partie imaginaire sont 1 1. alors donc les coordonnées de A seront 1, 1 et comme ça. Donc, je peux construire le point A. Par contre, pour construire le point B, nous allons utiliser l'écriture exponentielle. Comme ZB égale la racine de 2 exponentielle et pi sur 3, module de ZB égale la racine de 2. Donc la distance OB égale à racine de 2. Et argument de ZB, c'est pi sur 3. Donc une mesure de UOB, c'est pi sur 3. Ainsi, le point B, c'est donc l'intersection du cercle de centre O et d'orient racine de 2, a remarqué que ce cercle passe par A, vu que OA égale module de ZA, A, qui est racine de 2 aussi. Et donc le point B appartient à ce cercle et il appartient aussi à la demi-droite d'origine O, qui forme avec OU un angle pi sur 3. Et comme ça, donc, on construit les deux points A et B. Petit b, placer alors le point E et en déduire un argument de Z. Nous avons ZE égale ZA plus ZB. Ceci équivaut OE égale OA plus OB. Ce qui nous permet de dire que le quadrilatère OAEB est un parallélogramme. Voilà donc la construction du point E. On peut même ajouter que puisque OA égale à OB égale à la racine de 2, alors ce parallélogramme est un losange. Donc je peux affirmer que OA EB est un losange. Pour ce qui concerne l'argument de ZE, on sait que par définition, l'argument de ZE, c'est une mesure de l'angle UOE, qui est congru à UOA plus OAOE. UOA, c'est déjà connu, c'est pi sur 4, parce que UOA, c'est argument de ZA, qui est un plus, argument de 1 plus I. Ça reste OA ou e. Comme le quadrilatère OA-EB est un losange, donc je peux dire que OE est bisectrice de OA-OB. Et comme OB-OA c'est déjà pi sur 3 moins pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 12. Alors, OA, OE, c'est la moitié, c'est-à-dire c'est pi sur 24. Donc c'est 7pi sur 24. Je reviens à l'énoncé. Soit m un point d'affixe z différent de 1 et m le point d'affixe z prime qui est égal à z moins 1 sur z bar moins 1. La première question montrer que m prime appartient au cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre O et de rayon 1. Alors pour montrer que m prime appartient au cercle trigonométrique, il suffit donc de chercher la distance OM', qui est égale à module de Z', prime, et qui est égale à module de Z moins 1 sur module de Z bar moins 1. Et vous savez que module de Z égale module de Z bar, et le, le conjugué de la somme c'est la somme du conjugué, donc finalement on trouve module de Z moins 1 sur module de Z bar moins 1 qui est égale à 1. Ainsi donc M prime appartient au cercle de centre O et de rayon 1, qui est le cercle trigonométrique. Euh, Montrez que Z' plus 1 sur Z moins 1 est réel. Alors, un calcul rapide. Je remplace donc Z' par Z moins 1 sur Z bar moins 1. Donc, ça fait Z moins plus, disons, Z bar moins 2 sur z moins 1 fois z bar moins 1. Et z moins 1 fois z bar moins 1, c'est le module au carré. Alors, z plus z bar, vous savez bien que c'est deux fois la partie réelle. Moins 2, c'est un réel. Sur un réel, donc, c'est un réel. Ainsi, donc, z prime plus 1 sur z moins 1 est réel. Interpréter géométriquement le résultat. Si je pose, par exemple, c d'affixe 1 et D d'affixe moins 1, alors z' plus 1 sera donc l'affixe du vecteur dm'. Et z moins 1 sera l'affixe du vecteur CM. Et dire que le quotient des affixes est réel, c'est-à-dire les vecteurs dm'. Et ici, M sont collinéaires. Voilà donc l'interprétation. C'est que ces deux vecteurs sont collinéaires. Dernière question. Alors, dernière question. Si vous pouvez, euh, voilà. On déduire une construction du point M' connaissant M. Alors, pour construire le point M', il est clair que M' appartient au cercle de centre O et d'orient 1 inter la droite delta. Disons, delta c'est la parallèle à, à CM passant par D. A remarquer que le point M est toujours distinct du point C vu que Z est différent de 1. M' appartient à C inter delta et ces deux ensembles contiennent déjà le point D. Je vais voir quand est-ce que M' égale égal à D. Alors M' égale égal à D lorsque Z' égale égal à moins 1 c'est-à-dire z moins 1 sur z bar moins 1 égale à moins 1, c'est-à-dire z moins 1 égale à moins z bar plus 1 avec z différent de 1, c'est-à-dire z plus z bar égale à 2, c'est-à-dire la partie réelle égale à 1 avec z différent de 1. Ainsi, donc, le point M appartient à la droite delta prime privée du point C avec delta prime la droite d'équation X égale à 1. Donc à chaque fois que le point M est sur cette droite privée de C, alors on trouve M prime en D. Donc si je prends M en dehors de cette droite, je peux dire que si M N'appartient appartient pas à delta prime privé de C, alors M prime est le deuxième point d'intersection de C inter delta autre que D. Et voilà, merci.

et comment déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée d'isométrie Merci. Alors, concernant les, les isométries, il y a deux types d'isométries les déplacements et les antidéplacements. Pour les déplacements, il y en a trois l'identité du plan la translation de vecteurs non nuls et la rotation d'angle non nul. Pour l'antidéplacement, il y en a deux, la symétrie orthogonale et la symétrie glissante. Pour répondre à vos questions, on va se baser sur un support. Donc, si vous permettez, on peut voir euh, l'exemple sur l'écran. Le, Donc, euh, un exemple pour répondre à vos questions. Donc on va lire l'énoncé rapidement. Dans le plan orienté, on considère un carré direct ABCD de centre O. Les points I et J sont les milieux respectifs des segments AB et BC. On désigne par S delta d'une façon générale la symétrie orthogonale d'axe delta et sous la symétrie centrale de centre O et R la rotation de centre I et d'angle delta. Alors, il s'agit de déterminer la nature et les éléments caractéristiques de chacune des applications suivantes. On commence par, le, par un exemple. Là, on voit qu'il s'agit de la composée de la rotation de centre C, d'angle pi sur 2, rond la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Je vais reprendre le carré rapidement. Donc, vous avez un carré ABCD pour expliquer. Donc, ABCD carré direct, de centre O, I milieu de AB et J milieu de BC. Donc euh, si vous permettez, F est la je vais noter F, cette composée, c'est la rotation de centre C, c'est ça? C d'angle pi sur 2, rond. la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. On a la composée de deux rotations. La somme des angles est égal à π, non congru à 0 modulo de π. Il s'agit donc d'une rotation d'angle π. Et la rotation d'angle π est une symétrie centrale. Donc f est une symétrie centrale. Maintenant, pour trouver euh, le centre, il faut, et il suffit, d'avoir un point et son image par cette composée. Si on commence donc par trouver, chercher un point dont on connaît l'image par cette rotation, donc regardez le carré ici, on a la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Si on choisit B, cette rotation transforme B en D, donc par celle-là. Ensuite, ayant en D, la rotation de centre C et d'angle pi sur 2 transforme D en B. En fin de compte, cette composée fixe le point B. Donc F n'est autre que la symétrie centrale de centre P. Bien sûr, moi, je ne suis pas en train de tout écrire, mais euh, vous, chers élèves, vous devez euh, bien rédiger. Bon, je passe à un deuxième exemple. G, je vais noter G, la rotation de centre O d'angle π sur 2 rend la symétrie orthogonale d'axe AB. Et là, on a une rotation qui est un déplacement et une symétrie orthogonale, un anti-déplacement. La composée donne un anti-déplacement. Les anti-déplacements, il y en a deux, la symétrie orthogonale et la symétrie glissante pour Identifier cet anti-déplacement et déterminer ses éléments caractéristiques, il suffit de trouver deux points distincts et leurs images par cette composée. Donc là, on a une symétrie SAB. On voit que SAB fixe A. Donc l'image du point A par SAB est égale à A. La rotation de centre O d'angle π sur 2 transforme A en B. Donc, on a déjà G de A est égal à B. Maintenant, SAB de B, par exemple. L'image de B par la symétrie SAB est égale à B. La rotation de centre O et d'angle π sur 2 envoie B en C. Donc, G de B égale C. Voilà deux points distincts et leurs images. Là, comme on a B en image et en antécédent, on peut penser à Gérangé. Et l'application Gérangé ici, on voit A en C. Comme A et C sont deux points distincts, on peut tout de suite décider que G n'est pas une symétrie orthogonale parce que rangé n'est pas l'identité du plan. Donc là, on peut dire que G est une symétrie glissante. Pour déterminer ces éléments caractéristiques, c'est-à-dire on va, on, va, on va poser delta l'axe de G et U son vecteur. Pour déterminer l'axe, on a deux points distincts et leurs images. Et on sait, lorsque G de A par exemple égal à B, que A étoile B appartient à l'axe et que G de B égale C, donc B étoile C appartient à l'axe. Voyons la figure. Donc A étoile B appartient à à l'axe delta, B étoile C qui est J appartient à l'axe delta, donc delta n'est autre que la droite IJ. Pour déterminer le vecteur de cette symétrie glissante, on sait que G rangé, G est une symétrie glissante, et que G rangé est égal à la translation de vecteur 2U. Et comme on a G rangé de A égale C, ce qui veut dire que la translation de vecteur 2U envoie A en C. Donc 2U est égal au vecteur AC. Donc U est égal à 1 demi de AC ou alors égal au vecteur IJ. U est égal au vecteur IJ. Donc voilà, G est une symétrie glissante d'axe IJ et de vecteur IJ. Passons à un autre exemple de composé. Je vais appeler H la composée SDB rond SDC. Deux symétries orthogonales. SDB rond SDC. On a deux symétries orthogonales. La composée de deux symétries orthogonales. Et quand on regarde les deux axes DB et DC, on voit, vous voyez, DB et DC, on voit qu'elles sont séquentes en D. Ceci donc, donne la rotation, la, symétrie, la composée de deux symétries orthogonales d'axes séquents donne une rotation de centre, leur point d'intersection qui est D, et d'angle 2 fois DC DB. C'est-à-dire H est la rotation de centre D et d'angle 2 fois donc là, vous voyez DC, db est congruent à moins pi sur 4 modulo 2 pi, donc deux fois, ça fait la rotation de centre D et d'angle moins pi sur 2. Donc là, c'est une application directe du cours. Voyons un autre exemple. L'énoncé, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on a la composée de trois symétries orthogonales. Trois symétries orthogonales, ça fait un anti déplacement. Alors ces symétries sont, donc je vais noter K. L'application K est égale à SDA rond SBC c'est ça Oui. Rond SDC. Très bien. C'est un anti-déplacement. Et là, on remarque que non seulement les droites BC et DA sont strictement parallèles, mais en plus la droite DC le réperpendiculaire. perpendiculaire on peut affirmer tout de suite que c'est une symétrie glissante. Maintenant, pour trouver ces éléments caractéristiques, on va profiter puisqu'on a ici la composée de deux symétries orthogonales d'axes strictement parallèles, vous savez que ça donne une translation, de quelle translation il s'agit Donc là, vous avez BC et plutôt BC et AD sont strictement parallèles. A est le projeté orthogonal de B sur DA, donc cette composée n'est autre que la translation de vecteur 2 fois BA. Rond SDC. Comme le vecteur de BA est directeur de la droite DC, c'est donc la forme réduite d'une symétrie glissante d'axe DC et de vecteur de BA. Et on peut même... Commuter et mettre égal aussi à SDC, rend la translation de vecteur de BA. On passe au suivant. Voilà. Alors, il s'agit maintenant de l'application, je vais la noter phi, SO, c'est-à-dire la symétrie centrale de centre O, rend la symétrie orthogonale d'axe BC. Ça, c'est une symétrie centrale, c'est-à-dire une rotation. Et là, c'est un anti-déplacement. La composée va donner un anti-déplacement. Vous savez que tout anti-déplacement peut s'écrire comme composé d'une translation et d'une symétrie orthogonale. On va essayer de faire apparaître cette translation. Pour cela, pour cette symétrie centrale, on va la décomposer en deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires en eau, dont l'un est parallèle à BC. Alors, on a donc SO, voilà, rond SBC. Cette droite doit passer par O et parallèle à BC strictement. Il s'agit donc de la droite OI. Donc là, c'est OI. Maintenant, la droite passant par O et perpendiculaire à OI n'est autre que la droite OJ. Voilà. Maintenant que OI est BC, sont strictement parallèles, cette composée n'est autre qu'une translation. Alors, SBC rend SOI. Comme tout à l'heure, vous avez ici une translation de quel vecteur Ayant I comme projeté orthogonal de B sur la droite OI. Donc, SOI rend SBC, c'est la translation de vecteur 2 fois BI, c'est-à-dire la translation de vecteur BA. Donc, c'est SOJ. Rend la translation de vecteur BA. Comme tout à l'heure, le vecteur BA ici est directeur de la droite OJ. C'est donc la forme réduite d'une symétrie glissante. Un autre exemple. Alors, voyons, s'il vous plaît. Euh, voilà. Il s'agit de la composée suivante. Translation de vecteur CA rend la symétrie orthogonale. DAX DC. Je note ti égale la translation de vecteur CA rend SDC. C'est bon, en SDC, la symétrie orthogonale d'axe DC. C'est la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale, c'est donc un antidéplacement. En regardant le vecteur CA, par rapport à l'axe DC, il n'est ni directeur ni normal. Donc, on va décomposer la translation de vecteur CA en deux translations, en composé de deux translations, dont l'un des vecteurs est normal et l'autre est directeur. Pour cela, on voit que le vecteur CA peut s'écrire CD plus DA. Donc, CD plus DA. Ainsi, L'application PSI s'écrit DCD rond DDA rond SDC. Arrivé à ce niveau, on voit que le vecteur DA par rapport à l'axe DC est normal. On va donc décomposer encore une fois cette translation en deux, en composé de deux symétries orthogonales, dont l'un va être DC. Donc, cette donc je vais laisser la translation de vecteur CD rond SDC, je reprends SDC, et là, ça va être un axe de façon que S delta rond SDC donne la translation de vecteur DA. Ça va être l'axe OJ. Pourquoi OJ Donc regardez ici, DC et OJ. J étant le projeté orthogonal de C sur OJ, donc SDC rond SOJ, c'est la translation de vecteurs deux fois CJ, c'est-à-dire le vecteur CB ou encore le vecteur DA. SDC rond SDC, c'est l'identité du plan. Donc, Psi est égal à la translation de vecteur CD rond la symétrie orthogonale d'axe OJ avec CD directeur de la droite OJ. C'est bien la forme réduite, donc, d'une symétrie glissante. Merci. Et ces quelques exemples, euh, j'espère qu'ils touchent la plupart des cas. Alors, Concernant le thème continuité et limite, dérivabilité et fonction réciproque, les interventions des élèves ont porté sur les points suivants. Le calcul de la limite d'une fonction en arriel ou en infini. Le théorème de l'abjection. Comment tracer la courbe représentative de la réciproque d'une fonction donnée l'étude de la dérivabilité d'une fonction en un point et son interprétation graphique, le calcul graphique du nombre dérivé d'une fonction en un réel et l'exploitation d'un tableau de variation. Merci. Les questions posées sont tout à fait légitimes. Pour répondre à ces questions, on va utiliser un support. On vous donne, on vous donne une fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à racine carrée de x exponentielle moins x c'est le produit d'une fonction radicale avec une fonction exponentielle cette fonction elle est définie sur le fermé 0 plus l'infini f c'est le produit de deux fonctions contenues sur le fermé 0 plus l'infini donc elle est contenue sur cet intervalle si on commence par la première question vous demande de calculer la limite de f de x en plus l'infini. Ici, si f de x, c'est le produit de deux fonctions dont l'une tend vers plus l'infini en plus l'infini avec une fonction qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc, on ne peut pas calculer cette limite directement. Donc, on va chercher une transformation adéquate pour utiliser une limite du programme. En fait, pour x, pour tout x supérieur à 0, f de x s'écrit 1 sur exponentielle x, le tout sur x puissance 1 demi. Là, ici, on est en présence d'une limite du programme. La limite de cette fonction en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc la limite de f de x en plus l'infini, c'est égal à 0. À cette occasion, je vous rappelle les limites du programme pour les fonctions exponentielles et la fonction logarithme n'est pas rien. Alors comme vous le voyez ici, limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Limite de ln de x en 0, c'est égal à moins l'infini. Et la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est égal à 1. C'est autre que le nombre dérivé de la fonction ln... Limite de ln de x puissance p sur x puissance n c'est égal à 0. Et limite en 0 plus de x puissance n, ln de x puissance p c'est égal à 0. Bien sûr avec n et p sont deux entiers naturels, non nuls. Limite de ln de x sur x puissance r avec r un rationnel strictement positif c'est égal à 0. Et la limite de x puissance r ln de x quand x tend vers 0 plus c'est égal à 0. On passe aux limites les fonctions exponentielles. Limite de exponentielle x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Limite de exponentielle x en moins l'infini, c'est égal à 0. Et limite de exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0, qui est égal à 0. Et ça, c'est le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0. Limite de x en 1. En 0, je m'excuse. Oui. x moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à ah 1 ah, ah, je m'excuse, ce n'est pas 0 comme c'est noté ici. Limite de l'exponentielle px sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini, c'est égal plus l'infini. Limite en moins l'infini de x puissance n, exponentielle px, est égal à 0 avec n et p sont deux entiers naturels non nuls. Et enfin, la limite de la fonction exponentielle x sur x puissance r lorsque x tombe vers plus l'infini, c'est égal plus l'infini avec r est un rationnel strictement positif. Donc revenons ici à notre fonction f. On a dit que sa limite en plus l'infini est égale à 0. La limite de f en plus l'infini est un réel fini. Donc ça s'interprète par le fait que la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale. Dans notre cas, cette asymptote horizontale n'est autre que l'axe des abscisses. On passe à la question suivante. La deuxième question concerne la dérivabilité de la fonction f à droite en zéro. Ici, si on est en présence du produit de deux fonctions où l'une n'est pas dérivable à droite en zéro, l'autre est dérivable à droite en zéro, donc on ne sait pas a priori si la fonction est ou n'est pas dérivable à droite en zéro. Pour cela, on va utiliser... La définition, c'est-à-dire on, on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0, plus. Et ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0, plus de exponentielle moins x sur racine carrée de x après avoir simplifié par racine de x. Et cette limite, c'est égal à plus l'infini. Cette limite est infinie, donc la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0. On passe aux questions suivantes. Le tableau de variation, s'il vous plaît, de la fonction f. Voici, on vous dans le tableau de variation de la fonction f x, 0 plus l'infini f' prime de x, n demi. f' prime est positif dans le premier intervalle, négatif dans le deuxième. Elle s'annule au point d'abscisse n demi. C'est une fonction f qui est strictement croissante dans le premier intervalle et croissante dans le deuxième. de 0 c'est égal à 0. Et la limite en plus l'infini, on a dit que c'est égal à 0. Et l'image de n demi, c'est 1 sur racine carré de 2e. En regardant ce tableau, le 2 bar que vous voyez ici veut dire que la fonction n'est pas dérivable à droite en 0, et par conséquent sa courbe admet une demi-tangente verticale. Comme la fonction f est strictement croissante sur 0,1 demi, donc cette demi-tangente est dirigée vers le haut. Et si vous voyez que la fonction dérivée de f s'annule en 1 demi, donc sa courbe représentative admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1 demi. La limite en plus l'infini est égale à 0. Donc la droite des abscisses est une asymptote horizontale de la courbe de f. La fonction f est strictement croissante dans le premier intervalle, décroissante dans le deuxième. Et Déjà, si on regarde le tableau aussi, f' elle s'annule en 1 demi en changeant de signe. Donc f admet un extrémum en demi. Ici, cet extrémum est un maximum. Donc on peut même conclure que f de x est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de 2e pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Pour euh, la construction de la courbe de f, donc on va voir euh, l'animation, on prend un repère OIJ, on commence par placer une demi-tangente verticale en haut, puisqu'on a dit que la fonction n'est pas dérivable à droite en 0. Ensuite, on place le point A de coordonnées demi, 1 sur racine carrée de 2e. Puis, on construit la courbe de F. Elle admet une asymptote. On passe aux questions suivantes. Alors, si on note que j'ai la restriction de F à l'intervalle demi plus l'infini, on vous demande de prouver que j'ai. Est une bijection de l'intervalle i sur un intervalle j à préciser. Et si g est une fonction contenue sur le fermé demi plus l'infini, et elle est strictement décroissante sur cet intervalle, donc elle réalise une bijection de l'intervalle i sur son image par g. Comme g est contenue et strictement décroissante, alors l'image de i n'est autre que la limite de G en plus l'infini, G de N demi, et, et les données ici dans notre tableau, c'est l'intervalle 0, 1 sur racine carrée de 2E. Remarquez ici que la fonction G est contenue sur l'intervalle I, donc la fonction G moins 1 réciproque de G est contenue sur J. G. G est strictement décroissante sur I, donc g-1 est strictement décroissant sur j. Maintenant, pour la dérivabilité, il y a deux conditions à vérifier. La fonction g est dérivable sur l'ouvert n demi plus infini. Sa fonction dérivée...